Voilà, on retrouve notre Gucho ce matin qui est en train de faire sa petite balade. Donc Nelcy lui met un pull sous le ventre, mais elle ne le tient pas. C'est vraiment juste au cas où il perde l'équilibre pour pas qu'il tombe. Parce que parfois quand il est en train de sentir quelque chose ou qu'il fait des virages un peu trop serrés, il peut perdre un petit peu l'équilibre au niveau du train arrière. Mais sinon c'est vraiment lui qui se déplace. Avec donc cette petite faiblesse sur l'arrière-train, c'est normal à 17 ans. Et voilà, donc Nelcy le suit vraiment là où il veut aller. Donc c'est vraiment lui qui décide de sa balade, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il a envie de rentrer, quand est-ce qu'il a envie de sortir. Voilà, un vieux pépère qui en veut, hein, qui veut vraiment se balader. Derrière, un petit pensionnaire à moi qui s'appelle Chabi, qui a, ben, je crois pareil, hein, 16 ou 17 ans, qui est aveugle, sourd. Je ne suis pas sûre qu'il soit sourd, parce que vous voyez, là, je parle, il vient vers moi. En tout cas, il se débrouille très bien. On ne croirait pas qu'il est aveugle, car il est capable d'aller faire sa balade autour de ma maison et de revenir à la porte pour demander de rentrer. Et voilà le petit Gucho. On ne sait jamais trop quand est la fin de sa balade, hein, parce que des fois il se rapproche de la maison et puis finalement il veut refaire un tour supplémentaire. Bon, ben là il est en train de regarder Chabi. Voilà, bon, je pense qu'il a envie de rentrer. Il va aller faire une belle sieste. Bonne journée!